Et bonjour à tous, c'est Miguel. Et aujourd'hui, je suis sur l'île de Tanoa. Et avec mon frère Pablo, on va faire plein de choses sur cette île. J'espère que vous allez bien apprécier. Aujourd'hui, ce sera l'épisode 1 de nos aventures. Alors, au programme, je me suis fait rouler dessus par une voiture. Du coup, on va voir un peu comment je vais m'en sortir. Ah, ici, il y a eu une grosse tempête et il y a eu une personne qui m'a pas vu. Il m'a roulé dessus comme une merde et je suis passé sous les quatre roues. Il y avait très très mal. Et ensuite, dans la deuxième partie de notre aventure, dans bien sûr l'épisode 1, il y aura une recherche pour trouver un homme qui peut nous permettre de transformer du cannabis en petits paquets pour pouvoir les revendre. Et oui, parce que Miguel et Pablo, ils essayent de faire de la drogue sur l'île de Tanoa. Ça rapporte beaucoup d'argent. Et puis, nous sommes des gentilshommes. Nous sommes impossibles à retrouver parce que nous sommes aguerris. Allez, on se dit à de suite pour le début de l'épisode 1. C'était Miguel. Terminé. Il est mal. Il va revenir, le monsieur le dépanneur, ou pas? Il est mal. Aïe. Il est bon. Aïe, appelez les pompiers. Là là. Aïe, il est Oh, mal. ça va, Miguel? Ah non, il est pas C'est bien quoi? là. J'appelle le médecin. Ah Pourquoi si. tu fais la chenille? Aïe, putain. Mais c'est parce que la voiture jaune Mon m'a vieux, j'ai écrasé. réussi à t'emmener au l'hôpital. Ah si, c'est Yandé. Ah mais... C'est à qui le camion? Ah, il faut attendre pour le camion. Qui le camion? À nous devoir attendre des panneaux revenir là, non? Ouais, mais il est à qui? Pas savoir. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y en a Oh, deux. quel bordel. Non, ça va pas être très bien en tout cas. Ah. Il est à qui ce camion? Il est Bah, ouvert pas en plus. savoir. C'est pas un Il est camion, ouvert en c'est une plus. dépanneuse. Mais oui, c'est ouvert, je viens de le réparer. Ah, les tempêtes comme Ah. ça fait mal, hein? Avoir le truc bizarre dans le camion là quand même, hein. Ouais, mais Bah, y a du le sable, camion il avait c'est eu un bizarre, petit non? problème. Il était à l'étage. C'était sur Mais le toit fouillez le pas camion. dedans, fouillez pas dedans. Cassé la jambe, espèce de con, va. Mais c'est pas ma faute, c'est la voiture, elle m'a roulé dessus. Vas-y, mais arrête, ça fait pas mal, J'ai on me appelé les fracture médecins, j'ai là. appelé les médecins. Ah, je te jure, je suis passé Rendez-vous. sous les quatre Il roues, y a il le est très camion là, mal. le truc qui bouge sur sa queue. Ah, il souffle. Et voilà, mettez la lumière sur Faites moi, c'est bien. attention, hein, faites attention, ils étaient passés le camion. Attention. Mais putain, il y a Oh trop de putain. bordel, hein. Et ça y est, il va mourir. Ah non. Et Non, t'inquiète pas, tu vas pas mourir. voilà la lumière. Tu vas pas mourir. Et il est content, lui. Il vient. Mais laisse le crever, c'est mon frère. Inculé. Sans même en crever, c'est qu'une petite cigare, c'est bien. Ah, il est mal. Cigare pour cigare. Ah si, j'entends le bruit On peut pas divin. dire qu'ils sont en avance, Il est là. mort, je suis là. Les anges Pourquoi viennent t'es me là? chercher. Allez, bonjour. C'est moi le coupable, c'est moi qui l'ai grasé. Ah si. Ah, j'ai pas Oh là là. compris. Ah non, mais c'est Qu'est-ce pas qui ta s'est faute. passé? Ah, il y a une tempête en fait à ce moment-là. Il s'est barré, bloqué. c'est pas lui. Oh putain, et les tirettes Non, me font non, mal à moi la juste, ça tête. va bouger C'est comme bizarre, ça. c'est qui? Ah si, oh, une pompier. Merci, j'ai Merci. connu. Mon Merci. sauveur, Oh, faites-moi un j'ai bouche à peur. bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Il y a mais il y a une un camion tempête avec et il y a une toi? voiture qui m'a roulé dessus. Il y a une Ah bon? fracture. Ouais, c'était ce camion-là. Il a mal. Ah Et bon? regardez, Ah, ça sort une le même. fracture, vous êtes fort. Il a Ah mal. si. Ah mais ça se Il a voit mal, qu'il y a c'est une pas normal. fracture, il sent plus, il est mal. Monsieur? Oui? Putain, donnez-moi de la morphine là qui ferme sa gueule. Il Si. casse les pieds. Ah si, donnez-moi de la drogue. Non, il a été déplacé. Ça t'apprendra à faire le lapin comme ça. Mais il Moi je faisait vois pas le mon lapin et moi il camion, attendait en je plus vois au mon passage camion, clouté. Et où Il Flavio? a dit au monsieur, mais il faut pas vous garer dessus. Flavio, Ah bon ça, Comment vous bon. Voulez, Camion ah là-bas madame, il est réparé. comment vous voulez? Je Si. crois qu'elle va pas Je aller vais à voir par son compte. l'hôpital. Ah ouais, Je si. suis tout à Attends, monsieur. et y a une question, si vous l'amenez à l'hôpital, je peux Monsieur, venir il est aussi? réparé. T'es mon frère. Quoi faire? T'es mon frère. C'est parce Ah. qu'il l'accompagne? Ah putain, j'ai la roue dans ton camion. Sinon, nous pouvons Ok. l'arracher lui aussi. Attends, mais non, Il a Flavio, besoin de tu... Non, s'oxygéner. pardon, Vas-y, viens, on Pablo. coupe la jambe. Non, Mais non, tu t'inquiète vas pas, t'es prendre une mieux. voiture, tu vas nous Sur suivre. une échelle de 1 à 10, vous avez quoi comme douleur? Ah, Ça va être mais compliqué de il y a prendre mal 3 partout, douleurs. honnêtement. Je suis passé sous quatre roues. C'est pour toi, Ah, on va m'amener à bah, l'hôpital. plus espoir pour monsieur, nous achevez lui, hein. Ah, si. Non, mais Et en non, plus, sa t'inquiète voiture, pas. elle est vachement basse. C'est pas une 4x4. Il est râpé tout partout le dessous. Ah si, Vous êtes pas contre la tu vas morphine? Je vais pouvoir en mettre m'amener une petite à dose l'hôpital. pour calmer la douleur. Ah, si, Je vois, s'il vous plaît. monsieur le. Ah, mais de temps en temps, Monsieur? des morphines. Non, t'en peux pas.
Vous, votre frère a votre testament? Hein? Non, non, il est pas. Votre frère a votre testament? Il hérite de toute sa fortune. Non, crève, enculé. Ça va être pas trop. T'as rien. Ah, mon frère? Oui. Et, non, vous pouvez pas nous mettre une attelle qui ferme sa gueule? Lui avoir écrit le testament? Les attelles, c'est pas pour la bouche. Parce que moi, toujours pouvoir les creuser tout là-bas. Hein. Ah si, l'attelle, il te la met dans la bouche, tu vois, tu vas parler. La telle c'est pour consolider une fracture. Enfin, l'obligé du moins. Je vais mettre mes couilles. Mais monsieur l'ambulancier, vous avez l'air bien défoncé. Vous avez pas pris un peu de morphine vous aussi? Ah si, pas le dos. Arrête de bouger comme ça, espèce d'asticot, hein. Eh, il est mal. Écris alors. Aïe. 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 Regardez, un camion dépanneur qui dépanne un dépanneur. Ah si, c'est merveilleux ça. Moi, je trouve ça magnifique. C'est une ville de fou. C'est comme papa qui rentre dans maman. C'est la même chose. C'est de l'autosuffisance en fait. Vous l'amenez à l'hôpital, monsieur le médecin ou pas? Attendez, je le stabilise déjà. Attends, il s'occupe de moi. Si vous l'amenez vraiment à l'hôpital. Il va m'emmener seulement après. Je suis sur une fracture à la tête. Je peux pas faire autrement. Une fracture à la tête. il vous a dit, il est mal. Ah mais c'est pour ça qu'il ouvre sa gueule, c'est parce que il a un traumatisme. Il m'a suspendu le crâne. Oh putain. Ah, mais regardez, il peut se lever. Ah bah non, vas-y. Ah bah allez, c'est bon. Eh mon ton car. Oh. Ah bah maintenant faut aller à l'hôpital. Ah si. Et comment on fait? Ah. On marche jusqu'au camion. Allez. On marche jusqu'au camion. Quelqu'un peut me déposer à l'hôpital? Non, Pablo, casse pas les couilles, tu prends ta Twingo, enculé. Prends ta Twingo. Mais espèce de con, y'a une camionnette qui bloque. Ah si. Ah si, y arrive. Hein. Là, il est cool. Ah si. Vas-y, montez. Si, un petit tour. Oh, il est tombé. On ferme. Les barres pour éviter que tout le monde descende. Ah si, petit tour. Le petit tour. Est-ce que je peux vous prendre une bacon tactique dans la voiture? Vous avez du mal avec les barres fermées. Du coup le coffre est fermé. Ah non, je crois que je peux. Ah bon? Ah si, je viens en prendre dans là. Oula. Pas très normal ça. Ah mais c'est sous homme puissant. Non, il rigole. Normalement si on ferme les portes, ça ferme le coffre. Ah si, là il peut pas par exemple. Mais avant il pouvait. Oui, parce que j'avais pas fermé le coffre. Ah si. C'est pour ça qu'on est habitué à fermer les portes rapidement. Ah si. Des personnes peuvent s'amuser avec ce qu'il y a dedans. En effet, vous avez raison. En tout cas, merci beaucoup, hein, vous me sauvez la vie. On fait ce qu'on peut. Là. Des fois, j'ai un peu des problèmes avec mes yeux. Ah si, mais je comprends, il y a des sacrées tempêtes en ce moment. Ouais, j'ai vu ça, des camions qui reculaient, qui avançaient. Si, exactement. Ah mais tiens, un collègue. Bonjour. Bonjour. Ah et nous arrivons à l'hôpital. Ah il y a déjà du client. Ah mais c'est pas la voiture qui m'a écrasé ça. On dirait. Oh, j'espère que les bibles vont pas faire les coups. Si. Ah, c'est bon. C'est parfait. Pourquoi il y a plein de gens? Ah, mais c'est mon frère. Il s'est fait emmener. Attends, on va couper les sirènes, on s'entendra plus. Ah, si, c'est vrai, c'est mieux là. Mais c'est mal à la tête, hein. Faites gaffe, hein, parce que si jamais ils appellent la police à cause de votre voiture, c'est la voiture. Et voilà. Vas-y, descendez. Allez, direction la petite dame, c'est ça? Voilà.
Ah si. Bah t'as l'air de me soigner une petite picouse dans les fesses. Oh ça va bien voir. Ah si, il y voilà la dame, elle va me soigner apparemment. Apparemment elle fait des pics dans la fesse gauche ou droite de main, si. Et normal te la fait. Si, grâce à ça, normalement ça devrait réparer ma fracture qu'il y a à la tête. Et celle que celle te connaît bien, elle te fait un petit... tu m'as compris. Si, ah il est gentil. Hein. Moi il dit, on a petit doigt dans le cul, ça le fera lui. Et si. Si t'es bon client, elle te fait un truc supplémentaire. Elle m'a rappelé la douane, attends, il veut la distraire. Non, laissez-la faire son travail. Là. Regardez le tableau ici. Alors, oh putain. Elle m'a mis ça dans les fesses. Ah, il est beau. Elle m'a mis une fleur dans les fesses. Ah, c'est une petite fleur. Si. Mais c'est quoi, c'est un cochon ou un chien? Ah, bah regardez. La même chose. Ah, non, c'est une espèce de pissenlit dégueulasse. Ah, c'est une pub. C'est un chien coincé dans une porte avec une fleur c'est dans une pub. Ah, c'est joli la décoration à l'hôpital. Moi, ça me plaît bien. Eh, mais hey, je parie l'hôpital. Que celui qui a mis la fleur dans le cul. Le chat. Ah si, ah, oui. C'était le chat, il a vu nos fleurs quand il a vu qu'il était coincé. Il s'en va comme un gagnant. Ouais, il est comme un gagnant. Bah, il s'est dit, il est pété ce connard. Et vous, dites-moi la casquette, elle est pas d'origine, hein? C'est pas une casquette d'ambulancier, ça, hein? Ah si, il est marqué quoi dessus? Eh ben, c'est pas, il y a des jumelles. Ah bon? Ah, mais avant? Il y a marqué jumelles. Ah ça va mieux. Oh putain. Oh putain ça va mieux. Ah si si. Ah là ça va mieux. Franchement la casquette il devrait être dû la mettre. C'est pas celle du SAMU. Ah si regardez. Pour tout le monde. Fais des petits sauts de cabri. Ah si regardez ce que tu fais. Ah si. Elle m'a bien soigné la dame. Regardez il fait voler sa pioche. Si parce que ça il y a la force. Un peu trop de morphine je pense. Ah si. Oh quelle puissance. Et juste après, je vais aller faire des courses avec les voitures. Bah, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le médecin. Et Yanti. Mais de rien. Allez, mais sans mieux. Attention. Mais je crois que dans l'histoire, on a perdu Flavio quand même. Ah si, si, moi, c'est pas grave. Ah si, il fait des squats. Vas-y, continue. Et voilà. Si vous pouvez quand même enlever la voiture qui est en plein milieu, si c'est la vôtre. Ah si, ouais, on va y aller de toute façon, monsieur. Merci beaucoup. Merci vous m'avez sauvé la vie. Je vous ramène. Au revoir. Ah si. Allez, pas le temps. Ah, moi il y avait dans la jaune. Hein. Non mais c'est pas la jaune le taxi. Ahmed. Bon mais merci. Bon il y avait dans la violette. La violette, mais elle est pas violette. Si elle est violette. Normalement. Hein. Elle est blanche. Bon, à la base elle est bleue. Mais il a pas de mal avec le clé. Moi je la vois en blanc. Ah voilà c'est parti. Eh putain il pourrait arrêter de mettre la sienne. Putain il a des têtes de pioche. Bah oui. Comment t'as fait? Parce que je les avais d'avoir la tempête. Ah t'es un magicien. Si mais que, tu sais que maintenant il n'y a plus besoin de têtes de pioche. Oui. Ok. Ouais. Est-ce que c'est... Je l'ai laissé là hein. Ah c'est pas ouvert, ouais. Vas-y, passe par la droite. Pas. Ouais passe par la droite. C'est ouvert. Ah, non, elles sont bien ces barrières. Ah si, si, ah, si, si. Ah, voilà. Si, c'est ouvert. Allez à gauche. Y'a personne. Bon, là, tu je sais que c'est à gauche. Ah si. Désolé, parce que je suis habitué à ce que Pablo conduise et c'est une pied ou voilà. Même si vous voulez, je peux vous donner une astuce. Ah bon? Si vous faites contrôle, si vous utilisez le muscle contrôle V que vous avez un GPS. Ah si, il y en a. Une mini carte. Ouais, je pense que. Ouais. Attends. GPS. Contrôle V, moi ça fait rien. Contrôle droit. Ah, contrôle droit V. Ça fait rien. Contrôle droit, virgule. Ah si! Mais si, mais c'est le GPS. Vas-y, mais vous connaissez ça. Ah, bah, c'est jamais. Ah, si, moi je l'ai récupéré parce que ça ne fait plus machine. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Tia. Ah, si, mais Louis, il me paraît que ça. Elle est pas mal, franchement, elle est pas mal. Ah, si, mais mon GPS, je l'avais perdu dans le sac à dos. Vous savez pourquoi il y a eu? Il est un animal. Il a eu coup de pile, il est pas. Il voulait plus sauter là. Mais c'est pas celui de Munich. Mais c'est le mec qui a crasé Miguel. Si, c'est mon assassin. Putain, t'aurais vu quand il s'est passé sous les roues, il tirait une gueule. Hein. Ah si, mais non, mais il était mort de rire, ça. Ah, moi, il était pas mort de rire. Il commence à l'engueuler, il fait attends, parce qu'il y a moi qui a tout le monde qui est mort là. Je fais comment ça, et putain, je me retourne. Ah si, mais ça, il l'entendait quand il disait ça. Il te l'a dit, tout le monde qui est mort, ça freeze, il comprend pas.
C'est incroyable. Et moi, je l'ai regardé, je faisais ça quoi? Flavio! Qui est là, Flavio? Je vous dépose juste là, ah, si. Parce que là, il n'y a plus de place. Ah, ben c'est fermé. Fermez la voiture. Ah, si. Merci beaucoup, mon ami. Merci, merci. À la prochaine. De toute façon, je pense que je vous accompagne pratiquement à la mine parce que moi, je dois miner depuis. Allez, on va pas les miner encore là, on va faire un petit tour, il faut retrouver Flavio. En tout cas, merci beaucoup, à très vite. Flavio. 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 Mais je pense que Louis, il a pas son vrai coup à ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah si, c'est possible. Et en avant. C'est parti en avant. On va au traiteur. Si. 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 Ah si. Moi, il a mangé, il y a l'ambulancier, il m'a donné une bacon. Allez, il part, mais. Si. Tiens, on parle des maillets. Oh, bah, qu'est-ce que c'est dans le camion? Je vais verrouiller le véhicule. Et, j'espère que le monde est là où le bon. J'espère que c'est une bonne information. Parce que sinon, tout on l'appelle des messieurs. Hein. Ah, si, si, bien sûr, il y a son numéro. Si, t'as donné son numéro? Si, si. D'accord. Ah, bien sûr. Et lequel? Le deuxième monsieur ou le premier monsieur? Ah, c'est vrai, les deux du début. Non, oui, ils m'ont pas donné. Mais de toute façon, il y a l'autre homme, il a l'information. Donc, si jamais ce n'est pas une bonne, il lui a envoyé un message. C'est un ami maintenant. Alors, un petit limitateur. Oui. Putain, oh putain! Il m'a fait peur! Et heureusement que je scelle à la droite! Ah si, peut-être! Et je crois qu'il va prendre le chemin pour aller au cobalt! Il va prendre le chemin pour aller au cobalt, je pense. Quoique. Tu peux me laisser équiper ma pioche? Il va passer par là. La porte. Non. D'accord. Laisse-moi conduire. On a un grand chemin à faire. Je dis, on aurait pu aller tester avec l'abeille. La quoi? L'abeille. L'abeille? Ah si. Mais elle ne transporte plus ce petit camion. Si on peut tout travailler, sans pression. Et si tout se passe bien, on va gagner plein d'argent. Si, mais je t'ai bien. Si, je suis content. Et quoi, je suis quand même en train de serrer les fesses. Ah si, ça il le faut. Et il va activer déjà mes lunettes que je n'ai pas mis. Et oui, bien sûr. Parce que si je me parle en coulant, mec, je le fais. Si, c'est pas une bonne idée. Mais j'espère qu'on va juste croiser pas de flics. Hein. Ah non, moi il coopère. Et il y a le tir dessus. Il coopère et il y a le tir dessus. Mais j'ai pas de pistolet. Allez, mais toi tu lances tes chaussures. Mais je peux pas retirer mes chaussures. Mais... Ah si, mais tu lances ton chapeau. D'accord, ça je peux le faire. Si, parfait. Allez, en avant, Miguel. Oh putain, et tout me fait de la merde. Mais non, il conduit bien. C'est un peu sale comme tout fait. Non, il conduit bien. Il y a un limitateur en plus à 106 km/h. Tout va bien. Ah, il fait un go fast à 106. Par contre, faut réfléchir. On va faire du cobalt. D'accord? Il faudrait qu'on en prenne d'ailleurs un petit peu. On fait du cobalt. Parce que si on se fait choper, c'est terminable. Moi, la prison, je la fais pas, moi, je me crache. Ah non, la prison. Mon dieu. Attends, je m'en bats les couilles, tu paies la main. Ah oui, si. Évidemment. Hein. De toute façon, c'est moi qui ai l'argent, donc bon. Au pire, il n'y a qu'à dire que je suis un otage. Si, un otage. Ah, et bien sûr, comme ça, il va prendre encore plus cher. Bravo. Bon, par contre, le moteur dans les montées, c'est pas ça. Si, si, t'es à combien? 50 et pas les... 66. On est vers où? On se dirige à Luganville. Où est nos motos? Un scooter. C'était un scooter. C'était un scooter de la chapelle du...
Il était tout seul. Une question. Si. Si, Léopold, ça va. Et si ça va. Ok, parfait. Et il est trop que Léopold un peu fort. Ah non, justement, c'est mieux que tu parles fort. Hein. Bah si, mais bon, voilà. J'ai pas envie de passer pour une fou, tu vois. Et si, bien sûr, il faut passer pour une fou. Pardon. Et on arrive bientôt, Lougonville. Ah si putain, il a le vénère celui-là. En plus je crois que je suis déjà passé par ici, putain il était passé pas loin. Ok, on arrive à Luga. Attends, je vais regarder ma carte. Est-ce que t'es au courant qu'il y a une deuxième team? Si, mais il sait pas où il est. T'aurais dû la prendre cette information là. Bon attends, c'est pas grave. Qu'on connaît. Attends, reste concentré, on arrive sur position. Ok, il te parle. Non, tu parles pas. Tu me fais peur. Attends, c'est les maisons qui sont cachées. Parce qu'il peut te dire que si c'est la bonne position, putain, il est sous-nombreux. Si, c'est là, c'est à gauche. Trouver la position. Allez, sors. Ivy. Putain, on voit rien. Je vais laisser la vision nocturne. Ça s'ouvre pas, ça. Tiens, moi, il s'ouvre le prix du camion. Tu cherches pas? Non, je préfère regarder s'il n'y a pas une voiture au carré. Personne. Il n'y a personne. Hein. Comment tu dis? Il n'y a personne. Hein. On s'est fait biter. Il ne se fait pas. Il n'y a pas une autre petite maison comme ça qui sont cachées? Oh putain. Je sais pas, il voit rien là. Putain. Putain de merde. Et on va aller voir les messieurs. Il va envoyer une message. Parce qu'il pense qu'on a quelques comptes à régler avec certaines personnes. Moi, ils me rappellent bien de leur gueule. Quand j'aurai une famasse, ils vont pas durer très longtemps. Envoyer un message à un contact. Il continue de chercher, peut-être qu'on l'a pas vu. Putain. Il y a des maisons loin. Il va voir, il va voir. C'est toi, vous, qu'il y a toutes les interventions maintenant sur la carte? Non, il va pas. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. C'était quoi? Je sais pas.
fait peur. Si. Une maison qui est pas ouvrable. On fait quoi? Je suis dans les autres maisons, je visite. Celle-là aussi. Il m'en reste deux. Si. Mais t'es sûr que c'est pas une table qu'il faut chercher? Je pense que c'est une dame. Non, une table. J'ai. Ta. Putain, c'est du LSD. Quand même. Franchement, il y a des LSD partout.